4500 مليار دينار كتلة مالية متداولة خارج البنوك، يعجز القطاع المصرفي في الجزائر على استقطابها رغم كل المحاولات الرامية لعصرنة ورقمنة القطاع. Aujourd'hui, la relation banque-client ne doit plus être une relation qu'une relation donc interpersonnelle, mais elle peut être une relation articulée autour d'un outil et d'outils qu'on est censé maîtriser. Et là aussi, je reviens toujours à la notion de package et d'effort pédagogique. Déjà dans l'existant, dans ce qui existe, ce n'est pas bien exploité par la communauté bancaire. C'est-à-dire, les taux d'équipement des solutions existantes restent faibles, etc. Donc déjà là, il y a un effort à faire. On met le paquet dans la partie technique. Mais on a du mal à mener tout ce qui est phase, disons, organisationnelle, conduite du changement essentiellement. Je pense qu'il y a un travail de réflexion à mener avant de se lancer dans un projet SI et de voir quels sont les prérequis personnels, organisationnels à mettre en place pour que la solution, disons, peut apporter cette valeur ajoutée. القطاع البنكي في الجزائر والذي يعرف نشاط 6 بنوك عمومية و14 بنكا خاصا، ورغم التقدم الحاصل في مجال العروض البنكية إلا أنه لا يزال يعرف تأخرا في مجال استغلال التكنولوجيات الحديثة، ما يحد من فعاليته الاقتصادية. Les banques n'offrent pas des solutions flexibles et faciles d'utilisation. Et puis les entreprises ont toujours peur de cette dématérialisation. Donc il faut expliquer, il faut que les banques soient déjà prêtes, qu'elles aient des outils d'interface faciles d'accès et qui soient utilisables facilement. Et il faut que les banques aussi expliquent à leurs clients comment utiliser, ce qui va favoriser l'ouverture. الإسراع في تطوير القطاع المصرفي في الجزائر من شأنه جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بما يتماشى ومسعى تنويع الاقتصاد الوطني.